Et bonjour à tous et bienvenue pour du Feed the Patrick en compagnie de P. Bonjour tout le monde. Eh oui, aujourd'hui il y a Paridix. Il y a Paridix. Non, il est simplement en cours et puis moi je suis en train de tourner ça il y a à peu près 2 heures. De l'après-midi, pas du mat. Du coup, alors, qu'est-ce que je fous ici? Ah oui, c'est vrai, j'étais en train de faire un long tunnel. Alors, pourquoi je fais ça? Puisque, en fait, avec Pierre, du coup, sont en train de faire le système pour justement créer un réseau souterrain concernant des rails. Et en fait, je suis passé par plusieurs endroits. Je vais retourner la map en arrière. Ouais, voilà. Le chemin, il vient ici. Le chemin du tram. Bah, du train plutôt. Ça va chez Az, hein, normalement. Et du coup, dans la première partie, en live, je suis parti par là-bas. Sauf que en fait, non, c'est pas par là-bas que j'habite, c'est par là-bas, vers la gauche. Donc du coup, j'ai tracé tout ça, comme tunnel. Sauf que j'ai encore tout ça. Voilà. Je n'ai fait qu'une petite partie en 6 heures de temps. Ici, donc ça fait 6, ça fait 6, ça fait 6, ça fait 6. Et encore 6, encore 6, encore 6. Donc 3 fois 6 et 4, 5 fois 6. Ça fait 30, ça fait 45, ça fait 2 jours entiers, légèrement, qu'il faudrait que je fasse. Bon, 2 jours entiers, c'est un peu chiant, hein. Donc je pense qu'à un moment, je vais utiliser le tunnel bord. Je pensais pas en arriver là, mais il faudrait peut-être que je l'utilise. Mais ça me fait chier parce que je voulais faire un tunnel de 5 par 5. Et là, ça me fait un tunnel de 3 par 3 avec le tunnel bord, donc c'est un petit peu dérangeant. Bon. Cependant, on va faire le petit nion. Hop, on coule doucement et tranquillement. Ah, du corail. Hop, donc on descend tranquillement. Ouais, je me suis fait ceci avec justement Botania. C'est la magnétisation. Ok, très bien. Bonjour. Permettez. C'est sûr. En fait, ils sont cons parce qu'ils ne voient pas que je suis dans l'eau. Voilà. Tant pis, hein, mais c'est pas grave. Du coup, est-ce que je suis en... Non. Juste en bloc, ça me suffit largement. Toc, toc. Ah oui, c'est vrai. Magnétisation, bonjour. Voilà. Pouf, je bloque. Je bloque tout simplement parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Du fait que je vais vous présenter un petit peu le trou que j'ai fait. Donc du coup, il va falloir que je continue là-bas. Mais pour l'instant, je vais activer le mode boost. Voilà ce que j'ai fait. Alors évidemment, je me prends les murs qui ne sont pas pétés. Hop. Parce qu'il y a un sacré bordel ici, donc hop, pour éviter de tout faire laguer, on prend tout. Ça charge les chunks, voilà. Alors, par contre, oui, effectivement, il y a un endroit, je ne comprends pas du tout pourquoi. Voilà, ici, à ce moment-là, voilà, à ce cube-là, j'ai poison, meaning fatigue, weakness, voilà, c'est ça que je comprends pas, c'est que j'ai... Bon, là, ça a glitché, hein, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Mais voilà, à ce moment-là, j'ai ce genre de problème. Donc, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Pas du tout. Voilà, ici, j'ai poison. Voilà, et je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a une node qui serait du genre très maléfique? Ou autre chose. Je vais marquer ça poison. Voilà. Poison. Bah, le poison, c'est pour aller en bas. Sauf que je vais aller voir en haut, tiens, en même temps. En même temps que vous. Bloc. Oups. C'est vrai qu'il faut que je me déco, puis reco. Parce que Last 2 m'a quand même dit que je ne suis plus en possibilité de creuser. C'est rare. Mais ça arrive. Donc du coup,
Hop. Voilà, très bien. Et je me mets en line mode. Hop. Évidemment. Tu merdes, toi, hein? Ah là 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 là. Voilà. Du coup, bah, je vais vous utiliser. Hop. Colonne. Hop. Et colonne. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une note dans le coin qui ferait en sorte que je suis pas très bon ici? Ça a pas l'air en tout cas. Je comprends pas pourquoi. C'est toi qui me ferais le l'effet? Bon, déjà, t'as un effet bizarre quand je m'approche de toi. Mais je sais que j'ai du mana, mais je comprends pas pourquoi justement j'aurais ce genre de problème. Sachant qu'il y a absolument rien dans le coin, c'est ça que je comprends pas. Je plonge là-dedans, ça fait rien du tout. Les vaches se produisent correctement. Par rapport au point, là, c'est là que je suis. Non, c'est pas là. Ça serait par ici. Hein? J'ai des bubules. J'ai des bubules. Pourquoi des bubules? Ouais, c'est ça qui est bien, c'est que ça me ramasse tout. Mais ok, du poulpe, c'est parfait. Mais je ne comprends absolument pas pourquoi j'ai ces effets néfastes en fait. Dans les corails, je prends rien. Je prends pas de dégâts. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est pourquoi. Tout simplement pourquoi j'ai un problème ici. Bon, après, ça peut être autre chose, hein. D'ailleurs, j'ai perdu le trou. En parlant de ça. J'ai perdu le menton! Ouais. Il y a une perle ou pas? Non, il n'y a pas de perle. Ah. Il est peut-être là, le trou. Ouais, c'est ça. Hop, on va mettre quelque chose qui permet de le recoller. Recali. Voilà. Bah du coup, je vais retomber dans le trou. Ok. C'est juste pour me dire que j'ai une alerte, patati patata. Alors, tout de suite, on connaît le travail. Voilà. Ah merde, c'est vrai. C'est tout à fait vrai que voilà. Alors, du coup, je vais me remettre en bloc mode et ici en bloc mode. Voilà. C'est ici que j'ai un sérieux problème. Voilà, c'est sur la redstone là. Et au-dessus, il n'y a rien. C'est ça que je comprends pas, c'est qu'il n'y a rien. Alors, nous sommes à la couche 14. Donc, ce qu'on peut faire, voilà, c'est aller au fond. Nous sommes à la bedrock. Faut pas que je tape dans la bedrock, sinon je crée un portail. Mais voilà, il n'y a rien. C'est ça que je comprends pas. C'est qu'il n'y a vraiment rien ici. Donc, du coup, on va continuer, hein. C'est bizarre en fait. Et puis ici, il y a un bug de chunk. Très bien, parfait. Continuons du coup. What? Ah oui, je me suis trompé de sens. Ok, très bien. Très vite, très vite, très bien. Non, c'est de l'autre côté en fait. Parfait. Ça va que j'ai le boost armor, hein, parce que franchement, pour faire tout ça en volant, c'est assez chiant. Alors moi, au début, je pensais que c'était des nodes qui me faisaient ce genre de choses. Ah oui, au fait. En creusant, je suis tombé sur le Stronghold de Taga. Donc, bah, j'ai rasé au-dessus, enfin, en fait. Hein, faut dire ce qui est. J'ai creusé aussi la base de BX. Hop. Je viens d'avoir un autre effet ici. Ouais, voilà. Ici, j'ai un autre effet. Voilà. C'est ça que je comprends pas, c'est que j'ai un autre effet ici. Et je ne sais pas du tout de quoi cela puisse être. On va revérifier là-haut. Parce que peut-être au cas où il y a un autre truc, hein, je ne sais pas. Hop, in mode, colonne. Ah, mais c'est vrai. C'est tellement, tellement buggé ici. Donc voilà. Alors voilà, c'est ça le jeu. En soi, ça me dérange absolument pas. Hein. Bonjour. Hop.
C'est ça qui... En fait, je vois pas de node. Ouais, en même temps, ça sert trop à rien maintenant. Hop, voilà. Il y a des bubules qui apparaissent. Ah, ça serait du gaz. Ça serait du gaz qui me fasse ça. Oh. Oh. D'accord. Ok. Ah. Donc ça voudrait dire qu'il y a du gaz en fait dans l'air et qui me fout poison. Eh ben on va voir ça tout de suite en fait. Non, ça c'est du sable. Hop, bloc. Bah sauf que ça fait rien en fait. Et en plus on peut le récupérer comme ça. Ça sert à quoi ce... D'accord, ça fait du sable. Ok, parfait. Ouais. Ah bah ouais. Donc du coup, je pense, hein, ça pourrait venir du gaz. Il y a un truc magnifique là-bas. Ok. Bon, bah c'est une chose à voir. Dites-moi ceux qui le savent, si ça vient effectivement du gaz. Voilà. Là, j'ai par exemple, j'ai un truc. Ok, parfait, bonjour. Sinon, ça va le mec, tranquille? Ouais. Donc, voilà, bon, bah là, vous voyez, je prends poison alors que je n'ai rien du tout. Hein, donc, je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est, hein, sérieusement. Je ne sais pas si c'est un gaz, je ne sais absolument pas parce que ici, j'ai rien. Et je m'approche en dessous. Ok, maintenant j'ai plus rien, très bien. Voilà, ici j'ai quelque chose, je monte au-dessus, j'ai rien. Je monte en dessous, j'ai quelque chose. Donc je ne sais pas absolument pas ce que c'est. Hop. Ouais, non, ça fait rien du tout en fait. Donc voilà, je ne sais absolument rien du tout ce que c'est ce genre de problème. Dites-moi si vous en avez déjà eu. Parce que voilà. Ah oui, j'ai trouvé aussi un mineshaft en passant. Je trouve tellement de choses en même temps. Bah, quand on croise tout le droit, de toute façon, c'est généralement ça. Hein. Ok, je viens de décrocher un truc. Et puis ici, il y a la base de BX. On peut voir sur la map là actuellement. On voit la base de BX qui se trouve ici en fait. Voilà. Voilà, c'est la base de Monsieur Riddick avec ceci. Je crois qu'il est pas revenu depuis. Ou il a pas son son, mais en tout cas, ça fait du bruit, hein. Voilà, on est d'accord. Donc voilà, et puis j'ai continué tout droit en fait, et on arrive à l'intersection en fait ici, qui est bah justement de l'endroit qu'on va. Donc chez BX et End EP plus loin, bah beaucoup plus loin. Donc je sais pas si on va faire un truc de téléportation parce que quand même il y a plus de 10 000 blocs, c'est assez énorme. On peut faire les rails, hein. C'est pas ce qui coûte le plus cher au niveau des rails. Sérieusement, c'est juste ok du HS speed si tu veux. D'accord, les crafts ne fonctionnent plus, c'est parfait. Du rebar, ça fonctionne même plus en plus. Ah d'accord, je suis en cheat mode, très bien. Je sais pas pourquoi. Non mais il me donne même plus le craft en fait. Non mais très bien, très bien, très bien. Y a pas de souci. Merci les bugs. Hein, Railcraft quand tu veux merder, tu merdes bien. Et puis du coup bah, on va dire que chez Pierre c'est par là-bas. Donc il a fait déjà son chemin à lui. Hein, bah, ça va, il est à côté de Haz et rapide. Sauf que moi je suis pas vraiment à côté. C'est moi qui ai changé ça? Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai changé ça. Donc du coup voilà, ça va jusque là-bas. Oh là là, je suis plein. Hop, on va tout vider. Voilà, et puis on va prendre notre télécommande parce que ça sert à rien d'aller trop loin. Voilà. Nous voici chez nous, avec du Nictor en plus. Salut l'Underman. Eh, j'ai des Undermen ici depuis le temps. Je sais pas ce qu'ils foutent. Bon, la net vision, elle est un
peu chiante là. C'est des bugs avec l'armor. Vous voyez tous les effets néfastes que j'ai en fait. Mais positifs, hein, mais néfastes aussi. Du coup, laisse-moi me connecter. Voilà, parfait. On va faire un petit récapitulatif sur ce qu'on a fait. Ah là. Ah, bizarrement, ça va mieux déjà. Tout ça, ça va changer parce que le train va arriver pile poil en dessous ici. Hein, parfait. J'ai fait ma pelle hier avec Tomcraft, donc ça, il n'y a aucun souci. Il faudrait que je change encore quelques types de biomes. Ouais, va falloir que je fasse du liquide comment? Qui permet de nous garder en vie, ceux qui ont fait Minecraft. Tomcraft, Minecraft, oui, bien sûr. Changer deux types de biomes ici. J'ai beaucoup de fleurs ici, tout simplement, parce que je suis en train de faire tourner des abeilles. C'est des abeilles de base, hein, pristine, hein, donc comme ça elles crèvent pas, mais c'est que j'ai pas envie de me rattaquer aux abeilles. Voilà, tout simplement. Il y a le LP qui fonctionne très bien avec les abeilles, donc ça sert à rien que je refasse ça. Je suis en train de modifier aussi tout le volcan en sable ici, de l'obsidienne, hein, donc tout c'est en train de se transformer. Ça prend du temps, c'est tout. C'est tout simplement ça, ça prend du temps. Voilà. Ars Magica, on va continuer. Je sais pas quand, mais on va continuer. Turbine, on en est toujours. Les 8 là. Il y en a 8 autres ici. Hein, ici, il y en a beaucoup. On va en refaire d'autres. Oui, parce qu'on va. On crée des réacteurs, nous. Quitte à mettre, par exemple, 4. Comment? 4 lasers en full yellorium. Par contre, ici. Ah oui, voilà, il vient de se mettre en charge. Est-ce que il est toujours fonctionnel? Ouais, ça fonctionne toujours si bien, c'est bien ça. Ça, c'est cool. J'aime bien ce genre de programme. Fonctionne très bien. D'ailleurs, en parlant de ça, faudrait que je puisse me reprendre ce genre de programme pour le refoutre sur le LP. Que je prenne le programme aussi de Pierre. Qui me permettent justement de contrôler le réacteur avec un affichage. Ah oui, c'est vrai, j'avais placé ça. Alors, nous sommes à 31K de Yellorium. Il me faut ceci. Je vais mettre la rotten là-haut. Prête? Ok. La télécommande que j'ai foutue quelque part. Allez, tes commandes, parfait. Nitor, je vais le mettre là, j'en ai pas besoin. Et ironique, je peux le remettre là. Voilà. Ah oui, j'ai Blackness, ok, très bien. Hop, parfait. Je vais mettre la wrench ici, tac, tac, tac. Et ça ici, voilà. Du coup, au niveau du Yellorium, nous en sommes à combien? Nous en sommes à 31K, 31 405. Ah, ça a diminué par rapport à hier, qui était 31 515. Bon, bah, c'est qu'on est en descend, on commence à descendre en Yellowrite. Pas beaucoup, mais on descend. Ici, nous en sommes à combien? Ah oui, 51K. Ah oui, tiens, en parlant de ça. Pour ceux qui commencent FTP, FTB, tous les systèmes-là. Vous avez un système d'énergie qui se crée à partir de mob essence. Donc, je vais rechercher un autre Bedrockium. Bedrockium drum. Voilà, un bucket. Oh, 103, ça va, j'ai ce qu'il faut. Tac. Non, c'est bon, c'est fini. Très bien. Et puis, on le remet en insertion. Voilà, je remets mon drum par exemple ici, je prends un seau et je le mets là pour qu'il soit fait en sorte que c'est du créosote qui rentre. Bon, même s'il n'y a que ça qui rentre, mais pour être sûr. Vous avez besoin de magma. Non, c'est pas de magma, c'est dynamo. Réactant dynamo. Donc, un réactant dynamo se fabrique avec que du bronze, principalement, et un silver plus de redstone. Voilà, ça on vous fait qu'un. Vous avez pour cela besoin aussi de gunpowder. Donc une petite mob, une tour à mob et ça va nickel. Par la même occasion, vous pouvez obtenir des tanks. Ah non, c'est pas des tanks ici, c'est des banques. Comme la fameuse banque qui doit arriver, mais qui n'est jamais arrivée.
Voilà. D'ailleurs, on s'en servirait même pas sans doute. Si on a déjà tout ce qu'il faut. Où est-ce qu'on va le mettre? Parce que c'est une source d'énergie que je voudrais bien exploiter. Je pourrais par exemple l'exploiter pour la salle des machines là. Puisque on peut faire en sorte que, par exemple, en dessous, ceci soit l'énergie principale. C'est l'énergie principale, c'est le Tesseract numéro 4. Nous avons aussi celui-là numéro 4, c'est le sans fil. Quand le sans fil on connecte à un réseau à plate, c'est lui qui sert de la source. Voilà. Mais je veux faire en sorte que ça soit via le réseau Applied, qui n'est pas le niveau de réseau énergétique. Ça soit seulement le réseau comment, des informations. Bah, pas des informations pures, mais plutôt du. Comment? Comment dirais-je? Du réseau, du réseau. On va dire que ça va. Quand on demande un graph, par exemple, ça va dans la, par exemple ici dans l'interface, voilà, et que ça n'a pas besoin d'énergie comme ici grâce au quartz fiber en fait. Ça c'est de l'énergie qui passe dedans. Ça non, l'énergie je voudrais qu'on la crée à partir de ça, de mob essence et de gunpowder. Donc pour ça on va devoir utiliser un canal, un channel. Ouais, on pourrait utiliser ça, foutre un réseau derrière. Ouais, ça pourrait être pas mal. Donc du coup il y a 6 canaux ici. Parfait. Par contre j'ai beaucoup de trucs néfastes, ça me fait chier. Donc il y a 6 channels sur le réseau. Ok, on peut en utiliser un seul pour en avoir un autre. Donc du coup, est-ce que... Ouais, déjà je remets en bloc mode, ici en bloc mode. Ah, je savais bien que j'avais un méchant là-haut. Bah, méchant, ils ont Salut! Ouais, t'as vu, tu m'exploses! Waouh! Bah, moi, je t'explose la gueule aussi. Tu vois? Oh putain, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce genre de choses. On attrape tout, en fait. Hop! On redescend, voilà. Comme ça, nous sommes plus dérangés. Comment vais-je faire? Sachant que je veux que ça produise. Pas forcément en fait que ça bouffe énormément, je veux simplement que ça produise. On a le P2P version liquide. Est-ce que nous avons le P2P EU, item, light, fluide? Ok. Cependant, je voudrais bien que tu me craftes le fluide en fait. Ah oui, c'est peut-être en fonction du cap qu'on met dessus. Bah c'est simple, on va faire fluide par exemple. Hop. Fluide. Ouais, nous avons ce qu'il faut en fluide. Ah, aussi nous avons les fluides là. Ah, oui, c'est intéressant. Comme ça on peut tout transporter via Applied. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Oh putain, 4 millions de fluides. Ça en fait beaucoup. Ah, il faudrait que je fasse aussi un coffre tampon en fait. Parce que nous avons un coffre tampon pour le silicone. Et je pourrais faire en sorte que le coffre tampon soit aussi pour du pur Certus Quartz ou du pur quartz en fait. Ça pourrait être intéressant en fait en parlant de ça. D'ailleurs, on aurait même la place ici pour faire ce qu'il faut quoi. Par exemple, mettre les capaciteurs banques ici. Donc ça veut dire que ça, on peut le reboucher. C'est du 5x5, hein. Hop. Voilà. C'est l'avantage de ce truc. Oh, salut. Bonjour. Hein? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Monsieur est en train de me faire quelque chose d'autre. Tiens, voyez-vous ça? Intéressant tout ça. Hop, du coup, il me faudrait ma baguette en fait.
Ah, en plus, c'est vrai, nous avons ça. Nous avons 30 channels sur celui-là. Je pourrais limite en utiliser un pour faire un seul channel, en fait. Ouais. Du coup. Allons chercher notre baguette. D'ailleurs, j'ai toujours ça qui tourne, mais qui sert plus du tout à rien en fait. Hop, nous avons notre baguette, très bien. Nous utilisons notre équal. Non, c'est ça qui est en train de se recharger en fait. Ouais, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ah oui, il y a un petit système aussi. Quand vous avez des problèmes, ce genre ici, par exemple. Par exemple, je vais mettre, allez, 32 de cobble, qui est très bien. Hop, voilà, je l'ai enlevé. Allez hop, un stack, voilà. Ça crée ce genre de problème. Bah vous mettez déjà des barrels autour, des barrières, hein. Donc là c'est en train de générer des problèmes et des problèmes du flux et du flux. Donc ça c'est pas trop un problème. Bon, à part ici que ça commence à venir sur un côté. Voilà. Ça c'est pas trop un problème, vous mettez ça. Hop, ça vous l'enlève. Bon, ça va peut-être en recréer, hein, certes. Mais ça permet de l'enlever. C'est une petite astuce, en fait, que j'ai faite hier. C'est tout simplement pour... justement, pour calmer les ardeurs, en fait. Tout simplement. Je voudrais bien vous montrer autre chose aussi. Yeah! J'ai créé quoi? Genre, j'ai créé de la gunpowder. Ah ouais, j'ai créé de la gunpowder. 4. Ok, j'en perds en fait. Ok, très bien. Ok, parfait. Non, mais c'est parfait. Voilà. Là, je pense que c'est assez instable. Hein? Hop. Ça fait du minerai de fer. Bon, en fait, c'est pas beaucoup parce que c'est de l'herba. C'est du terra, du perdicio, du gneiss, du fer. Bon, là, il y a un peu de glace, mais. Mais voilà, en fait, il y a vraiment rien d'autre. Ça, je peux pas mettre. Y a, par exemple, des panneaux. Bon, ça recrée du flux encore. C'est pas trop grave, en fait. Il me faudrait quelque chose qui permette de me faire une. Comment? Un lac, en fait. Un mini lac. Ok, non mais c'est parfait, hein. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Hop. Voilà, normalement là il y a un gros flux. Ah non, c'est pas cela en plus. Y a pas un autre. En fait, je veux vous montrer quelque chose. D'ailleurs, je pourrais utiliser ça. Parce que ça fait rien d'autre en fait. Pouf. Ça bouillonne de mille feux, mais c'est tout, hein. Ouais. Ah, voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer, en fait. Avec ça, on peut pas placer de blocs. Ah, si, on peut. Oups. Bah, vas-y, fous dedans. Putain, je viens de me foutre le flux dans la gueule. Vas-y, aspire ça en plus. Voilà. Donc là, vous voyez, ça. Voilà. Là, je fais clic droit, je ne peux plus le faire. On peut pas placer de bloc comme ça, hein. Ni le faire comme ça parce qu'on. Bah faites avec le piston en fait. Pouf. En fait, ça sert en fait d'effacer le bloc. Tout simplement. Et bah. Hop. Salut! Ça boum! Ouais, moi aussi. Voilà. Ça boum. Et puis là, bah, c'est normal qu'il y a ce genre de blog. Donc vous faites ça et puis voilà. Tout simplement. Allez. Salut! Oh, c'est tellement bien visé, hein. C'est rien, je m'éclate en fait.
Du coup, nous avons notre remplace machin. On va utiliser ça. Et on va chercher du. Comment c'est du quartz. Ok, complètement buggé ce quartz. Ce quartz-là, donc tac. Bloc de quartz, voilà, très bien. On va faire un clic droit comme ça, genre on en a 173 en stock. On va redescendre encore. Voilà. On va le faire manuellement là. Et puis là, on va tout faire. J'adore la rapidité. Bon, je vais pas en avoir assez pour mettre tout au long, mais... Voilà. Très bien. Du coup, ma baguette ne sert plus à rien et je peux remettre ceci, ceci et ceci. Voilà. Ma baguette la fout là. Bon, c'est pas tout, mais on va peut-être commencer à faire quelque chose d'intéressant, sachant qu'il y a 30, déjà 30 minutes. Quand même, ça passe super vite, hein, il faut dire ce qu'il y a. Du coup, il me faut un câble d'Applied. N'importe lequel, ça se connecte normalement sur ceci. Je vais utiliser un... Tiens, comme ça. Ça se connecte comme ça, en fait. Tac, voilà. Cependant, est-ce qu'il va se connecter avec 32 channels sur la gueule? Normalement, non. Sinon, il faudrait que j'utilise un P2P. Je vais voir. De toute façon, je vais voir. Je vais faire la petite l'installation et on se retrouve juste la fin pour la fin de l'épisode, en fait. Voilà, bisous. Et donc, bon, alors voilà. J'ai placé mes capaciteurs banques ici. Donc là, pour l'instant, il y a 265 millions de RF. Donc je pense que j'en ai largement assez. Il y en avait déjà qui étaient remplis. Là, je peux que sortir 53 000. Bon, c'est suffisant, largement. J'ai juste en remplacé encore 7. Donc ils sont en train de se fabriquer, là, les 7. Il n'y a aucun souci. On va faire le branchement ensemble. Donc vous mettez votre rectangle motor ici. Ça, on peut l'enlever, tout simplement. Pouf. Ah bah oui, c'est vrai. Hop. Est-ce que je les ai là-dedans? Bonne question. Non, c'est pas ça. C'est transmission. Non plus. Dynamo. Non plus. C'est quoi? Réactant. Non, je les ai plus. Tiens, donc, c'est quoi ces noms? Putain, j'ai tellement de bordel là-dedans. Il faudrait que j'en vire quelques-uns. Je suis en train de chercher les blocs qui me permettent justement de d'augmenter la production du moteur. C'est assez important pour ceux qui veulent le faire. Je les ai pas là. Je les ai pas là non plus. Réactant. Je suis en train de me demander en fait s'il n'est pas dans un moteur. Il y en a un là qui se stocke pas, il y a un là qui se stocke pas non plus. Ah voilà, je l'ai. Ok, je l'ai aussi. Ah, j'ai deux fois du level 2. Ok, parfait. Level 1, level 1 et level 2. Faut 4 produits. Ok, parfait. Du coup, ça veut dire que lui, si je l'enlève, ça fait 320. Ok, parfait. Ok, très bien. Alors, du coup, c'est augmente. Ok, très bien. On va en prendre un, du coup. Parce que lui, bah, pour la peine, il ne sert absolument rien du fait qu'il n'y a pas les machines. Hop, voilà. En clair. Vous avez besoin de ces trois-là. Deux level 1, obligatoire. Plus 10% de fuel. Ok. Plus 1 x 2 x 2 d'énergie. Ça d'ailleurs, on pourrait limite l'enlever. Ouais, ça sert trop à rien, 10% de fuel d'énergie. Et vous mettez votre level 2. Vous pouvez augmenter un level 3. Ça veut dire que ça va produire beaucoup plus. 640 RF. Cependant, quand vous êtes au repos. Je dis bien quand vous êtes au repos, ça vous divise le comment la consommation par 4. Voilà. Donc en clair, elle restera à 80 RF par tick, mais elle va descendre jusqu'à 40, je crois. Mais en 40, ça veut dire qu'il y a un surplus.
Et il faudrait limite mettre un computer craft dessus pour lui dire que s'il est plein, du coup il arrête. C'est pas tank, c'est bank. Putain, je vais encore avoir du mal avec tank, bank, bank, tank. Tac, tac, tac. Tac, voilà, on augmente petit à petit, 58 000. Et il m'en manque du coup deux. On va voir un petit peu où est-ce que ça en est. Et du coup, on va mettre tout ça en réseau. Les craftables. Voilà, ici. Du coup, il est en train de fabriquer le reste. Donc, c'est les électricales qui est en train de se faire. C'est assez long. Ouais, je suis bien d'accord que c'est assez long. Heureusement, j'ai tout lancé en début. Voilà. Hop. Donc c'est une petite source d'énergie, hein, mais suffisamment pour nous en fait. Insert et ici en mode extraction, tac, ça coule et ça remplit. Ah c'est du crésote. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est du crésote ou c'est du ou c'est du autre chose? Ah ça produit aussi. Ok parfait, très bien. Donc, vous voyez, là, ça produit 320 RF par tick. Donc, ça marche avec la créosote, comme ça marche avec. Ok, très bien. Ah, c'est pratique! Ah, vas-y, attaque-moi. Ouais, vas-y, allez, YOLO. Une autre dans le coin? Oui, allez, YOLO. J'adore! Eh bien, voilà. D'autres participants dans le coin? Ouais, au-dessus. Bah attendez, j'arrive. Bonjour. C'est bon? C'est bon, vous êtes mort? Bah c'est parfait. Putain, la baguette, elle marche super bien. Bah pas la baguette, la ring. Hop là. Bon, du coup. Bah là, c'est en train de produire. Là, ça produit plus parce qu'il n'y a plus de gunpowder. Donc c'est pour ça qu'en dessous, nous avons mis un export bus avec une gunpowder, donc d'ailleurs je vais mettre le reste ici. Donc une gunpowder, ça produit déjà pas mal, hein. Faut dire ce qui est. Donc du coup, il y a juste à normalement replacer par des câbles standard et normalement la liaison se fait. 8 channels, faut juste qu'il soit activé. C'est ça que j'ai un petit peu du mal. C'est qu'il va pas me mettre. Ah, s'il y a un seul channel, voilà. 5, 6. Ouais, c'est plutôt long, mais en tout cas, ça utilise un canal de plus, donc voilà. Ça évite ce genre de problème. Vous pouvez par exemple mettre un P2P ici et faire en sorte que vous pouvez utiliser 8 channels de ce câble. Hein. Il n'y a aucun souci, donc c'est tout à fait normal. Là, ça utilise un seul channel parce qu'on n'en a pas besoin de plus. Donc du coup, ça se connecte. Et puis vous le mettez vers un dense flux cable ici qui est normal, hein, donc c'est un par défaut. Et ça se connecte. Si vous le mettez par exemple sur le bleu, fallait que ce câble soit bleu. Voilà. C'est tout simplement ça. Et puis la gunpowder est en train de l'augmenter. Voilà. Et puis ceci aussi. Bon, du coup, je vais voir si mes banques sont faites. Ouais, mes deux autres banques sont faites. C'est parfait. Hop, voilà. Nous avons un très gros à ah, 60 000 tranquillou. Ça importe et exporte 60 000, donc il n'y a aucun problème pour ça. Et puis ça, c'est en train de se produire. Ça, je vais l'enlever. Non, mais vous n'êtes pas chiant du tout, les mecs. Hein. Non, ça veut plus exploser. Non, ah bah si. Ça veut exploser, voilà. Du coup, bah ça fait ça en fait, donc voilà. Non, voilà. Hop, hop et hop, voilà. Bon, c'est un peu moche, hein, mais je m'en fous, Royal, totalement. Elles sont mortes parce que j'ai Torms sur mes, j'ai Torms 3 ici. Voilà, j'ai ça, et puis ça explose de partout, tranquillou. Voilà, et j'ai du Regen 2 dès que ça explose. Donc c'est parfait. Bon, bah voilà. Du coup, ça fera un épisode quand même assez long, n'empêche, mais fructueux. Ça va nous créer notre énergie. La petite barre va se remplir tranquillement. Hein, j'ai pas besoin non plus. Pour l'instant, l'énergie, c'est juste pour régler ensuite. C'est bon, t'as fini, toi? Ouais. C'est juste pour avoir de l'énergie pour ces machines-là, parce que j'ai pas envie de prendre l'énergie en fait du réacteur. Sachant qu'on peut utiliser celle de.
Ils sont connes, les... Allez, explose! Non? D'accord, en plus j'ai récupéré un chapeau sans le taper. Très bien, bon! Allez, sur ce, merci de m'avoir regardé. L'épisode ce fut long, mais ce fut intéressant. À la, bisous! N'hésitez pas à le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'est ça que je me réfère par rapport aux autres vidéos, si ça vous a plu ou pas. Bisous!